Eh bien, salut les amis, c'est le Nigapu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, je refais une vidéo. Enfin! Non, en fait, le Oxylac qui est juste à côté de moi, c'est pas du tout Oxylac en fait. Hein. Parce qu'on voulait faire des trolls furieux chez Oxy. Sauf qu'après, on s'est dit, on va faire des trucs de trolls, genre. Le truc là-bas. Genre, par exemple, on va faire le premier. Alors, par exemple, là, vous rentrez seul. Vous rentrez seul, là, dans votre petite maison. Bah, nous, on a fait une vraiment petite maison. Et en fait, il y a un problème. C'est... Est-ce que Oxylac... Enfin, le faux Oxylac voudrait faire la démonstration? Je la fais ou tu la fais? Ok. En fait, le but, c'est... Non. Regarde, en fait, le but, c'est vous rentrez dans votre maison. En fait, il y aura deux trolls avec une maison, en fait. Alors, le premier troll, c'est... En fait, vous rentrez dans votre maison. Et là, il y a un truc qui s'est déclenché. Poum. Vous voyez? C'est comme l'arbre explosif, sauf que là, c'est une maison. Bon, bah, du coup, on... là, du coup, on recrée une maison pour faire le deuxième troll avec une maison. Qu'est-ce que tu fais aussi là? Mais non, fait une mini maison. Mais non, mais sauf que le troll il va pas exploser toute la map. Donc, du coup, non mais le fais pas aussi haut. Vas-y, là on fait juste des blocs, là on fait à l'arrache hein, les gens. On fait juste à l'arrache. En fait, donc, du coup là on va. En fait, c'est à peu près comme l'autre, sauf que c'est pas vraiment pareil, en fait. Allez, vous avez besoin d'un bloc qui fait comme le sable. Mais non, mais Onzard, arrête de faire l'espèce de con. Mais non, mais Onzard, t'as fait le... que tu vas pas m'embêter. Ouais, je sais les gens, c'est pas possible sans hasard. Hein. Je sais. Mais hasard, tu touches à rien. Ah, ok. Non, je dis rien. En fait, le but du truc, non, regarde, en fait, c'est vous prenez ça. Tu verras dans la vidéo, hein, Onzard, comment faut faire. Par contre, on va déjà commencer par mettre une plaque de pression ici. Vous creusez de deux, vous mettez une seule petite TNT, vous mettez du sable. Attendez, là, je me suis bourré. Bon, bah, on va faire jusqu'à là. Alors, on va faire ceci. Et après, vous... Non, Onzard, ne touche surtout pas à la plaque, ok? C'est en fait, vous allez rentrer, et quand vous allez rentrer, regardez, vous êtes tombé dans un piège. Donc, du coup, c'est un peu chiant. En fait. On va passer au troisième... Bah, je sais pas si on fait un top de 10 ou top de 5, je sais pas. Là, on va passer au... Non, on va faire un autre avant. Alors, par exemple, le truc, ça va être chaud. Est-ce que déjà ça... Non, déjà. Non. Non, mais on s'en fiche. Ah ! Désolé les gens si je me... Voilà. Non. Ah oui. Non. Bon, au pire. Hasard, tu peux nous faire les côtés. Voilà, parfait. Merci, Hasard. Non, là, tu l'as mal fait, par contre. Non. Voilà. Donc, vous faites un petit truc comme ça.
Attendez. On va faire un... Non, mais on arrête de toucher. Non, en fait, par exemple, on va mettre un petit zombie, tiens. Non, regarde. En fait, vous mettez votre petit zombie. Non ! On n'a pas besoin de ton aide. On va faire un test avec un monstre. Non, en fait, déjà, moi, je vais commencer par me mettre sur V pour qu'il vienne. Regardez, on va le troller. On va troller en fait le zombie. Alors comment troller un zombie? Bah vous faites ce que je viens de vous dire. Vous mettez votre zombie. Faut qu'il vous suive. Et regardez, là il est bloqué. Tout simplement. Non mais là en fait vu que c'est le jour en fait ça... Voilà. En fait il est bloqué donc voilà. Enfin vous avez peut-être compris. Voilà. Bon, on passe tout de suite pour le troisième truc. Vous avez besoin de piston collant, de plaques de pression n'importe comment, et vous avez besoin de blocs communs et le sol en fait. D'ailleurs, en même temps, je vais vous dire un truc que monsieur là nous a dit, enfin que m'a dit. En fait, vous êtes comment faire. Regardez, là par exemple. C'est pas du fake hein. Par exemple là regardez je bouge et j'ai un bloc directement. Alors comment j'ai fait? Faut appuyer. Enfin faut aller dans aide et options. Regardez hop. Vous allez là. Vous allez dans commande. Vous allez dans vous allez ici. Vous allez dans choisir le bloc. Vous allez appuyer sur A dessus. Et vous allez mettre cette flèche là. Ah non attendez. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, vous allez mettre cette flèche-ci. Et quand vous l'aurez mis, regardez. Vous plantez le bloc. Et regardez. Pouf, vous mettez le bouton que vous avez dit. Et boum. Alors. Pour le truc, vous mettez. Vous faites ça. Non, attendez. Il y a juste un truc que je me suis trompé. Voilà. Alors, vous refaites ça, vous mettez votre plaque. Par contre, on va mettre un bloc juste... Tu peux te pousser, s'il te plaît, merci. Vous allez, voilà, vous allez faire un truc tout basique. Regardez, je suis bloqué. Alors, voilà. Regardez, je vais vous montrer le système tout rapide. En fait, vous mettez tout ça. Après, vous remplacez comme ça, là. Exactement, non par contre là faut pas mettre de redstone, là faut mettre les blocs de votre choix. Et en fait, par exemple, pour troller des gens, regardez. Non. Enfin, regardez en fait. Là, tchouf. Alors, si vous voulez que je vous dise comment on fait un sable mouvant, vous mettez au moins 30 likes. Et je vous dis comment on fait. Alors, déjà, pour le prochain truc, va falloir qu'on change de map. Enfin, parce que moi, je l'ai fait dans une autre map et j'ai la flemme de le refaire, en fait. Donc, en fait, vous allez faire ceci. Moi, je mets des noms. Regardez, trolls. Ah, punaise de Joy-Con qui bug. Désolé si ça bug, les gens, mais c'est pas de ma faute. C'est mes Joy-Con, hein. Alors, pour le prochain truc, vous allez ici. Vous êtes dans votre map. Attendez, on va juste attendre de Anzar Pro, c'est-à-dire Oxylac. Voilà, Oxylac a rejoint. Il a déjà presque tous les droits. Toc, toc, toc. Voilà, maintenant tu te mets en créa. Vas-y, mets-toi en créa. Voilà. Bon, en gros, voilà. Donc, en fait, le but, bah, d'abord, je vais vous montrer le système de redstone, en fait. Assez simple. Vous faites, moi je l'ai recouvert de sueur, mais vous faites comme vous voulez. Regardez, vous mettez des pistons collants, vous mettez des répéteurs, vous prenez de la redstone et la torche
de redstone. Après, en fait, en dessous... Non mais pousse-toi, sérieux, Onzar, là, punaise. Tu vas nous faire chier pendant la vidéo, quoi. Là, en dessous, vous mettez... En fait, regardez. Derrière, vous avez mis votre... Regardez. Là, ici, tout simplement, vous avez mis ceci pour que ça active les trucs. Pour que ça se transforme en ceci. Après, vous mettez de la redstone juste là. Après, bon bah après, c'est tout simple. Vous mettez le bloc, vous mettez votre plaque. Et par contre, on va rebouger ça. Toc, voilà. Donc, par exemple, pour piéger des gens, bah par exemple, là, regardez. Là, il va aller dans une maison et regardez ce qu'il fait. Il rentre et non. Bon, en vrai, il y a des gens qui auraient mis. De la lave, mais moi j'ai mis. En fait, j'ai mis de la glace compactée. Enfin, non, de la glace tout court. Et par-dessus, j'ai mis du sable des âmes. Et quand on fait ça, en fait, le truc, c'est qu'on est vraiment ralenti. Par exemple, là, je suis en train d'appuyer sur le bouton pour twerker comme ça. Bah, j'y arrive pas, en fait. En gros. Regarde, moi j'avais mis game over, tu es tombé dans mon piège, j'arrive à te tuer, enfin voilà quoi. Voilà. Donc, le prochain, je vais réessayer de vous le montrer parce que j'avais déjà essayé sauf que j'avais pas le son. Donc je vais essayer de vous le montrer. Ah oui, d'ailleurs, on va essayer de faire ce bug là. Par contre, on va péter les trucs qui sont là, voilà. Alors, vous aurez besoin soit de... Non, on n'est pas obligé d'avoir des barrières, on peut aussi avoir des murets. Vous prenez... Moi, je vous... Pour faire votre... En fait, c'est pour faire une boule de discothèque. En gros. Donc, pour faire votre boule de discothèque, vous mettez ceci. Bah, c'est le truc pour faire voler... Pour faire voler les blocs, regardez, vous mettez votre... Ah bah non, là j'ai mis du béton. Désolé, d'ailleurs je vais mettre du sable. Non mais sérieux là, Onzar, arrête de nous faire embêter là, tu es chiant. Tu commences à m'énerver là, Onzar, arrête de toucher à tout. Je laisse faire ma vidéo tranquille. Vous mettez vos blocs là, regardez, hop. Hop, hop. Bon bah voilà. Vous avez votre petite boule de discothèque. Voilà. Mais en fait, du coup, le truc, c'est si vous prenez ceci, les sables et les poudres de béton, regardez. Hop, ça tient. En fait, il y a deux façons de le faire. Soit la façon que je vous ai dit à la discothèque, là. Ou sinon, par exemple, si vous prenez un rosier, ou une pivoine, n'importe comment... Vous mettez votre bloc au-dessus et vous cassez votre fleur à deux. Bah regardez, en fait, le bloc qui va voler. Je crois que si on casse ça... Ah non, regardez, en fait, il reste à l'infini, là. J'avais pas vu que ça restait à l'infini. Donc, voilà. Alors, comment faire ceci? Non, au pire, zappez ce que je vous ai dit, genre, pour... Zappez ce que je vous ai dit pour le sable mouvant, je vais vous le faire. Alors déjà, comment faire? On va faire avant de faire le sable mouvant, je vais vous montrer comment on fait une petite voiture. Moi j'appelle ça une voiture, mais ça pourrait être une tondeuse. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous prenez tous vos trucs, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des portillons de la couleur que j'ai dit. En fait, ce qui est simple, regardez. Moi j'avais essayé un truc là mais j'arrivais pas. Mais regardez, vous ouvrez votre truc, vous mettez un sneak pour faire ça, vous mettez vos deux, après vous mettez votre petite trappe comme ça, et après vous remettez. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Désolé. Hop, voilà. En fait, vous avez presque votre petite voiture, en fait c'est tout simple. Après vous mettez vos roues, et si vous êtes sur PC vous pouvez faire un slash de roues là, et sinon là aussi on peut faire la licence, mais moi je la fais pas. Ça peut faire une petite licence, en fait une petite voiture. Alors on va passer tout de suite pour le
sable mouvant. Par contre, va falloir créer une map. Désolé les gens. Alors vous allez créer votre map comme là, vous le faites comme vous voulez. Toc 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 toc. On va faire un monde plat, on s'en fiche. On enlève ça, on enlève ça. Voilà. D'ailleurs, un bonjour à Fruit Jumper et Oxylac si vous si regardez cette vidéo, hein. Bien sûr. Oh non, je me suis bourré. Désolé les gens. La map, tu te. Enfin, mon. Mes Joy-Con bug. Désolé, hein. Bon, ça, on s'en fiche. Vous faites. Alors, pour les TP ou les trucs à exclure, vous mettez les privilèges d'autres. Vous mettez. Là, après, le reste, vous mettez comme vous voulez, hein. C'est pas moi qui va vous dire comment vous faites, hein. Vous mettez. Bah, je vous conseille le monde plat pour le truc que je vais vous dire. Donc. Oula, j'ai failli faire la même chose que tout à l'heure. Donc vous mettez le mode désert. Après, moi je vous conseille de mettre du sable. Attendez. Désolé si je fais pas de bruit. Ah, désolé. Mais. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Vous le faites. Bah, en fait, vous le faites autant que vous voulez, mais moi, je vais le faire jusqu'à fond. Voilà, bon, on s'en fiche. Vous mettez ça, après, moi, je vais enlever ça. Vous mettez là du 1900, on s'en fiche. Le village, on s'en fiche. Voilà, on fait la map. Bah, du coup, en Zark Pro, tu peux rejoindre. Anzar, tu m'écoutes ou pas là? Anzar Pro? Oui. Ah non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je t'entends pas, donc du coup, en fait, tu m'inquiètes. Bon, vous allez dans votre petite map. Voilà, alors, faire le sable mouvant. Vous avez besoin de blocs, enfin, de blocs de sable. Vous avez besoin de n'importe quel autre bloc. Vous prenez surtout la toile d'araignée. Ah! Désolé si mes Joy-Con bug, les gens, c'est pas de ma faute. Après, il vous faut. Attendez. Ouais, attendez, c'est bon. Il vous faut des shulkers. Anzar, est-ce que tu peux l'exclure quand je t'aurai mis les droits? Tog, voilà, exclue-le. A toi l'honneur. Alors, vous allez creuser de 3. 1, 2, 3. Après, vous le faites grand comme vous voulez. Hein. On va pas vous dire de quelle hauteur. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du sable. Hein. Vous pouvez mettre la poudre de béton. Mais pour faire vraiment que c'est invisible, je préfère qu'on mette du sable. Bon, après, je vais commencer à mettre ça. Attendez. Ah non, en fait, j'ai fait n'importe quoi, les gens. Je vous conseille de mettre 2. Quand même. Voilà. Après, vous mettez ceci. Oxy ! Ouais, merci. Alors, vous vous poussez comme ça. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez péter. Bon, en fait, j'ai rien dit, en fait. Faut pas faire ça tout de suite. Désolé. Voilà. Donc, vous allez vous mettre en sneak. Enfin, vous êtes pas obligé. En fait, faut les placer au deuxième. Mais... S'il regarde vers le haut, c'est que vous l'avez mal fait, en fait. En gros. Voilà. Voilà, on l'a fait. Donc après, vous remettez vos murs. Voilà aussi le. Voilà, après, vous mettez vos blocs. Ah non, mince. Oh non! Mince, je me suis bourré. Faut tuer les shulkers. Tu les shulkers. Non, en fait, faut péter que les shulkers qui sont en dessous des blocs. Pète les shulkers qui sont en dessous des blocs. Ah, désolé si je me.
je me tracasse un peu, hein. Voilà, bon. On refait les shulkers. Hop, 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 hop. Après, surtout, vous mettez vos toiles d'araignée parce que j'avais oublié de le faire. C'est pour ça que ça n'avait pas marché. En fait, après, vous mettez vos sables. Tout simplement. Après, vous pétez vos murs. Et après, c'est terminé. Regardez. Après, vous avez juste à attendre que, en fait, ça se forme. Regardez. Ça se forme, en fait. Alors, faut plus qu'il y ait de moi, en fait. Regardez. Regardez, là, c'est invisible. Par exemple, moi, je... Regarde, voilà. Là, on zarque... Non ! Mais non, Zar, fallait que tu te mettes devant. Mets-toi là. Mais non, mais là. Faut que tu sois ici. Voilà. Après, tu bouges plus. Mais non, mais putain, faut pas que t'ailles sur le... Faut pas que t'ailles dans le sable mouvant. T'es aveugle ou quoi, toi? Bon, par exemple, moi, je veux rejoindre Monsieur Oxylac. Regardez. Non. Et regardez, là, en fait, vous êtes en train de vous noyer dans le sable mouvant. Ah bah voilà, comme lui il est en train de se noyer, hein. Et par contre, quand vous êtes en survie, on peut pas s'en échapper. Je vous l'avertis, hein. On peut pas s'en échapper quand on est en survie. Donc voilà pour le premier, pour le cinquième truc, je crois, sixième truc. Après, je vais vous expliquer comment faire un setup ultra réaliste. Donc du coup, on va retourner dans la map que j'ai fait avant. Voilà. Désolé si je change beaucoup de fois mes maps. C'est pas de ma faute. Mais vous parlez, Monsieur Anzar, là, des fois. Hein, Anzar, faut parler des fois. Faut parler des fois. Oh, parce que si tu le parles pas, en fait, ça sert à rien que tu sois un micro, en fait. Hein. Alors, bon, ça, c'est un peu simple, en fait. Vous faites votre grand désert, en fait, par-dessus, vous passez ça, en fait, c'est tout simple, ça, on s'en fiche un peu. J'avais dit le setup, moi. Alors, moi, je me suis fait un endroit spécial setup. Voilà, je me suis carrément fait des IMAP, moi. D'ailleurs, je vais carrément changer un petit truc que j'ai fait. Regardez, je vais mettre les trucs comme ça. Aussi, je vais pouvoir vous apprendre... Non, au pire, j'ai une idée, les gens. J'ai une idée, les gens. Voilà. Bon. Après, c'est simple comme setup. Donc là, moi, je vais enlever ça, en fait. Regardez, c'est assez... Faut faire une imprimante... ultra réaliste. Alors, d'abord, vous mettez du papier comme vous voulez. Par exemple, on va prendre quelle couleur comme bannière. On va prendre ma couleur préférée en mode garçon. On va prendre du noir. Et puisque moi, des fois, je suis moitié fille, des fois, je suis même des garçons. Attendez. Non, Zar, ne touche à rien, touche à rien. Voilà, j'allais te dire de l'exclure. Bon, il l'a fait. Hop. C'est l'enchaînement de... Quoi? Allô? Ouais. T'avais dit quoi? Rien. Ah, j'ai dû... J'ai entendu ta voix, en fait, mais en fait, c'était pas toi. Bon, après, vous le faites comme vous voulez, votre truc, hein. Moi, je vais faire un truc comme ça, c'est tout moche, en fait. Là, en fait, vous allez prendre un dropper ou un distributeur. Moi, je vais prendre un dropper. Hop. Surtout, il ne faut pas qu'il regarde vers le haut. Voilà. Faut pas qu'il regarde vers le haut. Après, vous remettez votre truc. Je sais, moi, je suis pas très fort, hein, donc ne m'agressez pas comme si j'étais nul, parce que en vrai, je suis vraiment nul. Enfin, à certains trucs, je suis
fort. Mais à d'autres trucs, je suis très nul en fait. Bon, après vous mettez ça, on va retourner à ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Après, bah là, vous faites comme vous voulez, hein. Et en fait, c'est comme ma fontaine que je vais vous montrer juste après. Regardez, je vais faire ceci. Je vais replacer ça là. Regardez. Pourquoi t'exclues pas Dark? Regardez. Après, vous prenez un bouton à levier, je vous conseille un bouton. Regardez. Hop. Vous avez reçu votre truc. Ah oui, sauf que moi, ce qui est chiant, c'est que j'ai ma chaise juste là, donc à chaque fois, faut que je la ferme, mais c'est pas grave. Bon, je vous ai montré l'imprimante, on va passer tout de suite pour le 7e. Alors, le but du 7e, bah déjà, on va péter ça, on va rentrer, viens voir, viens. Moi en fait j'avais fait un truc d'arcade et là en fait j'ai caché ici pour mettre les sous qu'on me donne. Alors, comment j'ai fait ma fontaine secrète? Alors, ouais je sais que je dis beaucoup d'alors, mais voilà. Après vous faites hop, tac, après vous faites ça, vous prenez ça, après vous faites... Désolé si j'arrête pas de dire après ça. Bah après le reste, après il vous faut de l'eau et de la lave. Mais après le bloc de slime, je vais vous le montrer après. La fontaine, on va la faire lointain. J'étais bloqué les gens. On va la faire genre ici. Voilà, j'avais fait un RIP, mais on s'en fiche un peu. Ok. Bon. On va faire la première étape. Poser des portes armures. Déjà, je les ai mal mis. Ça commence bien. Je peux... Alors, déjà, vous posez vos portes armures comme ça. Non. Bon, bah après, vous le mettez comme vous voulez. Moi, je vais le mettre droit. Ça va être mieux. Voilà. Donc, après que vous avez fait ça, vous allez prendre des blocs. Vous allez. Hop. Vous allez mettre les escaliers au-dessus. Attendez. Attends, faut que j'aille vérifier là-bas parce que je crois que je suis en train de dire n'importe quoi là. Désolé si je vérifie parce que en fait, des fois, je dis n'importe quoi. Bon, au pire, je vais essayer de vous montrer le truc, mais je suis pas sûr que je vais y arriver, hein. Désolé. En Zartro, j'ai un truc à te dire. Alors, déjà, prends un bloc de redstone et un piston. Enfin, prends un bloc de redstone. Ouais. Voilà. Donc après, va de ton côté, là-bas. Et après, je dirais, à 3, on met le bloc de redstone. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Là, par contre, t'as un peu loupé. Au pire, on va le montrer en 1. Au pire, je vais vous montrer comment faire une... Désolé, des fois, si je change d'avis, mais... Il y a des trucs que j'arrive mieux à faire que d'autres. Attendez. Voilà, donc en fait, vous allez faire une espèce de petite prison. Moi, je fais des mini-prisons, mais vraiment mini, quoi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, la prison. C'est pas moi qui va vous dire. Comment vous allez la faire, voilà. Après, vous mettez votre porte-armure... En fait, monsieur Anzarco m'a donné une idée. Euh,
Déjà, faut reprendre les pistons. Sauf que là, on va pas le faire en même temps, là, par contre. Là, par contre, on va pas faire ça en même temps. Non, fais pas ça en même temps, je te dis. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, ça fait déjà un effet barreau. Bon, en fait, le tuto, il est déjà à peine terminé, en fait, les gens. Après, on passera au numéro 8, bien sûr. Hein. On va en faire 10. Est-ce que, Anzar, tu es d'accord pour faire 10 petits trucs? Bon, bah, on fera 10 petits trucs, alors. Et voilà, vous l'avez fait. Moi, ce qui est bien, c'est... En fait, avec les barreaux normales, vous pouvez pas lancer à travers. Mais là, par contre, on peut lancer à travers. Allez ! En plus, c'est très réaliste, en plus, les gens. Hein. Donc, voilà pour le truc. Voilà. Bon, on va passer pour le 9e. On va faire un truc avec le Nether. Alors, déjà, vous allez faire un Nether tout basique. Et vous allez prendre un bloc de votre choix. Moi, je vais prendre des blocs d'émeraude. Vous faites votre Nether. Toc, toc. Fais-toi un Nether, par contre. Regardez, vous faites ça. On va en faire deux en même temps. Donc, du coup, on passera au 10e après. Regardez, vous rentrez et vous cassez un bloc. Regardez. Oh non, mais punaise, en plus, ça nous TP là. En fait, le but, c'est de rentrer et en même temps de péter le bloc. Ce qui est pas évident. Je vous l'accorde, c'est pas évident du tout. C'est pas du tout, mais du tout évident. Ah, voilà. Vous voyez, là, j'ai pété un bloc alors que ici... Y'a rien. Enfin, rien n'est pété. Et bien sûr, en fait, monsieur le routier là, en fait, il voit pas que le bloc est pété. Donc ça peut vous servir dans vos meubles cache-cache, hein, c'est nous. Regardez. Hop. Voilà, j'ai pété le bloc. Vous l'avez bien vu, là, par contre. Hop. On ressort dans le Nether. On va là-bas. Ouais, désolé si ça nous spawn à 3000 mètres. Hein. Et par exemple, là, regardez. Au pire, là, en fait, les trois qu'on va faire, ça va faire... les trois qu'on va faire, ça va être avec le Nether. Est-ce que tu me vois, là? Attends. Est-ce que là, tu me vois? Ouais. Attends, mon truc, il m'a bugué. Tu vois le bloc invisible, ici? Lequel bloc? Ah ouais, toi tu rentres. Regarde, mets-toi dedans. En fait, moi je vois pas qu'il a cassé le bloc, donc du coup, en fait, lui il peut rentrer dans le bloc alors que moi je me doute de rien. Mais regarde, toi tu me vois pas en fait. Ouais, mais sinon tu vois pas mon skin. En fait, là, déjà on a fait le 8e, donc là on va passer déjà au 9e. Du coup, refais-toi le Nether. Hein? Regardez, en fait, là, c'est pareil, sauf que au lieu de casser un bloc, vous allez poser un bloc. Voilà, donc j'ai posé mon petit premier bloc. Regardez, vous posez votre petit bloc. Regardez. En vrai, ça, c'est pas normal, parce que moi, en fait, je le cassais et après, je remettais le bloc directement. En fait, c'était presque comme ça, sauf qu'il fallait rentrer dedans. Donc déjà, en fait, c'est ce que j'avais essayé à faire, mais un jour, j'avais pas réussi. Enfin, en fait, il me restait deux et je les avais pas réussi. Regardez, en fait, il faut faire tout le tour. Les gens. Oh, j'ai cru que j'avais pété mon Nether. Anzar, est-ce que j'ai pété mon Nether? Ah bah voilà. En fait, c'est pour ça en fait que c'est compliqué. Voilà, en gros.
On en a... Là, on va tout de suite passer pour le 10e truc. Déjà, faut... Voilà. On l'a fait. Alors, comment j'ai fait ce genre de truc? Là, ça se voit, en fait. Alors, comment j'ai fait? En fait, déjà, vous allez faire un grand nether. Fais-toi un grand nether aussi, Anzar. T'es pas obligé de... Mais non, mais Anzar, t'es chiant, là! Oh, t'as qu'à arrêter de me TP d'abord. Est-ce que tu nous embêtes pour la vidéo là? Non mais faut pas faire un aussi petit nether, hein. Faut faire un grand nether comme ça. Faire un grand nether. Voilà. Toc. Non, là j'ai fait n'importe quoi. Vous allez faire ça. Ah. Vous allez faire ça jusqu'à... Regardez. Hop, là vous allez refaire. Ah non, mais Anzar, fais ton truc. Arrête de faire le mien. Ouais, bah t'as qu'à arrêter de le regarder. T'as qu'à arrêter de regarder le mien, t'as qu'à faire le tien. Là, je crois que je me suis déjà bourré, je crois. Ah non. Est-ce que je peux faire un nether? Oh non, je me suis pas bourré. Yes, les gens. Il est bien parti, les gens. Là, faut que j'évite d'aller dans le nether de l'autre. Voilà. Vous allez faire votre rond. Bon, bah après, moi, je vais fermer parce que moi, sinon, je peux plus faire de nether. Voilà. Donc, après, vous faites de l'attaque que vous voulez. Hein. Je peux faire un écran de cinéma. Allez, après, vous posez votre ici et votre ici. Et allez. Vous faites ce que je viens de vous dire. Après, vous commencez à faire celui... Non. Le nether invisible, en plus. C'est un nether soit télé, soit invisible. Regardez. Là, c'est normal. Là, c'est un nether télé, parce qu'il y a le côté comme ça. Et en plus, en fait, ici... Là, en fait, on voit rien, mais en fait, c'est... En fait, on peut rentrer dans le nether quand même. En gros. Bon, Anzar, arrête de faire des trucs. Ah ouais, par contre, là, Anzar, il a bien respecté le truc, là. Ah ouais, par contre, Anzar, là, il sait bien le faire, là. Il a fait un bien grand. Il est extrêmement bien parti. Regardez. Après, vous pesez ici. Mansard, tu me l'as posé en pleine tête, t'es fou! Mais j'ai bien le droit de montrer aux abonnés! Laisse-moi montrer aux abonnés! Enfin, mes abonnés, hein, parce que... attendez. Si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous invite à la... d'ailleurs, Anzar, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? J'en ai pas. Bah t'avais dit que t'avais une chaîne. Ouais, mais j'ai supprimé. Ah, t'as carrément supprimé. Ouais. Ah ouais, bah carrément supprimé. Regardez, lui il en a fait 3, moi j'en ai fait 2. Regardez, vous mettez votre premier nether. Après, vous refaites ici. Ça fait déjà un grand écran quand même. Et après, vous refaites. Et après là, par contre, Anzar, il a fait un truc tellement grand qu'on dirait un vrai écran de télé, hein. Oh bah dis donc, c'est pas. Vas-y, continue à faire pour voir. Voilà. Regardez, là, regardez. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, on va faire l'intro de fin. Allez, viens là. Viens là qu'on fasse l'intro de fin. Eh bien, la vidéo se termine tout de suite, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager ou à marquer un petit commentaire. Et je te rappelle qu'il y a un petit commentaire à écrire avec... Vous vous souvenez mon grand panneau avec marqué... Quand je vous avais dit, mettez votre nom Nintendo Switch,
votre nom Nintendo Switch et votre code ami en commentaire pour que je l'écris sur mon grand panneau. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, bien sûr. Et oui, et bien sûr, mettez. Tu veux combien de likes pour que je refasse une vidéo avec toi? Tu veux combien de likes pour que je refasse une vidéo avec toi? 30. Bah non. Bah tu peux faire un peu plus quand même. 50. Allez. 100. Vous mettez 50. 50 likes. Et je refais une vidéo avec l'araignée. Ok? Alors. Voilà, cette vidéo est... N'hésite pas surtout à t'abonner. Hein, j'avais oublié de le dire. Ciao!